Voilà, c'est pourquoi ces bandits du CNRD, ils veulent faire taire tout le monde. Et Charles Wright, on vous dit, le jeu, ça ne passera pas. Ton dernier voyage, vous pensez que le peuple de Guinée va rester assis? Des bandits, un gouvernement, de narcos comme vous, vous allez parler de justice? Que non, vous allez, les États-Unis, il faut activer vos cellules partout. Que non, vous accusez le procès Alpha Condé de quoi? Vous n'avez absolument rien compris. Charles Wright, tu as tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes aussi ici aux États-Unis. Où sont les corps du 5 septembre? Où sont les corps du 5 septembre? Vous allez parler de crime contre l'humanité. Vous connaissez ceux qui étaient sur le terrain? Vous connaissez? Charles Wright, tu as oublié M. Condé et son enfant. Charles Wright, vous pensez que vous êtes intelligent? Vous pensez que ça va passer? Vous faites pitié vraiment. Vous parlez des jeunes de l'Axe. Où est l'autopsie? Des 8 personnes tombées. Vous pensez que vous allez utiliser les choses quand ça vous arrange? Que non, oui. Il faut pas, il faut arrêter les anciennes dignités, il faut faire ça. Votre plan, ça ne marchera pas. Votre plan, ça ne marchera pas, on vous le dit. C'est le peuple de Guinée qui décide, c'est pas vous. C'est le peuple de Guinée qui décide, Charles Wright. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est le peuple de Guinée qui décide de l'avenir de ce pays. Ce n'est pas vous les manipulateurs. Si Charles Wright, tu sais parler de crime, où se trouvent les corps du 5 septembre? Où se trouvent les victimes? Où sont les corps du 5 septembre? Les parents des victimes. Tu sais défendre les parents des victimes. Charles Wright, tu n'es qu'un gueulard. Pourquoi tu ne parles pas des victimes? Pourquoi tu ne parles pas des victimes du 5 septembre? Les femmes ont demandé tout simplement certificat de décès de leur mari pour pouvoir avoir le peu d'argent que leur mari ont dans les comptes. Charles Wright, es-tu sorti? Des bêtises comme ça, là, que vous allez venir vous flanquer. Asseyez-vous. C'est l'armée guinéenne qui est en train de nous mettre dans tout ça, là. Si là, il m'a dit, il est l'émanation du peuple. Si l'armée avait corrigé cela, ces bêtises que Charles Wright est en train de faire, ça n'allait pas arriver. Si l'armée guinéenne, jusqu'à présent, vous êtes assis, ces bandits, ces narcos sont en train de tromper tout le monde. Où est LSLD aujourd'hui? Où est Sidya Touré aujourd'hui? Des bandits sont là. Oui, quand ça les arrange, ils sont en train de tout faire. Regardez-moi des manipulateurs. Vous savez parler de droit, parler du 5 septembre, parler des victimes du 5 septembre. Où se trouvent les corps? Où se trouvent les corps, Charles Wright? Malhonnête que vous êtes. Malhonnête que vous êtes. Où se trouvent les corps du 5 septembre? Des malhonnêtes comme vous. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Guinée? Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Guinée? Des manipulateurs, quand ça arrange le CNRD, ils veulent pas qu'il y ait l'union sacrée aujourd'hui. Depuis que oui, nos leaders, les responsables politiques, ont formé le Quator, ça les dérange. Oui, on ne peut pas parler de politique sans parler du RPG arc-en-ciel. Donc, arrêtez tous ces conneries, ces rentrées, ces sorties. Arrêtez tout ça. Ça ne passera même pas. Ça ne passera pas, Charles Wright, vos plans ou quoi. Ça ne marchera pas en Guinée. C'est l'armée qui est en train de retarder des bandits comme ça, un petit groupe seulement. Un petit groupe est en train de malmener tout un peuple. C'est parce que l'armée guinéenne, vous êtes assis. Ils sont en train de vous humilier. 42 généraux. L'armée aujourd'hui, vous avez du mal aujourd'hui à vivre. Le bandit fait venir des mercenaires, des légionnaires pour le garder. Il est en train de payer des gens, manipuler tout le monde. Vous êtes assis. Et un malhonnête comme Charles Wright qui s'est dit qu'au ministre de la Justice, quand ça arrange le bandit, il a dit devant tout le monde. Charles Wright l'a dit devant tout le monde. Je crois même que je dois avoir la vidéo de ce malhonnête co-ministre de la Justice. Il dit s'il n'est pas avec l'Aïmadi, que les gens disent qu'il est avec l'Aïmadi. S'il n'est pas avec l'Aïmadi, qu'il va être avec qui? Charles Wright l'a dit devant tout le monde, haut et fort. Il l'a dit devant tout le monde. Voilà. Charles Wright l'a dit devant tout le monde que si lui, il n'est pas avec. Il n'est pas avec Mamadi Doumbouya. Il va être avec qui? Il va être avec qui?
Des malhonnêtes comme ça, là, vont venir s'asseoir parler de la Guinée devant nous. Un malhonnête comme ça. Voici quelques images des victimes. Voici quelques images des victimes. Charles Wright, 5-7 ans, parle-nous de ça, malhonnête que tu es. Et t'en bête Dougoulana un malhonnête comme toi. Ceux qui ont pris des mercenaires pour attaquer le pays, tu ne parles pas de ça. Ceux qui ont fait venir des mercenaires pour éliminer des Guinéens, malhonnête Charles Wright, tu ne parles pas de ça. Parle-nous de ça, Charles Wright, si tu es vraiment ministre de la Justice. Un faux type comme ça, là. Tu vas te flanquer, quoi. Tu vas nous parler de justice. Toi, tu connais la justice. Hein? Toi, tu connais la justice, Charles Ouette. Attendez, je vais chercher la vidéo, je vous montre tout de suite. Un malhonnête comme ça. Et t'en as bombo, voyen, amoutan, et t'as misé, falama, Charles Ouette. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Partagez. Je vais vous montrer sa vidéo où il parle. Il dit non, que les gens disent que lui, il est avec Doumbouya. Que s'il n'est pas avec Doumbouya, il est avec qui? Si la communauté internationale, là, ils n'ont pas écouté, là, ça a été dit en sous-sous, on va traduire pour eux. Un malhonnête comme ça. Toi, qu'est-ce que tu as à nous dire, comme ministre de la Justice? Un fou type comme ça, là. Quand il s'agit de manipuler, tu as oublié que tu défendais le FNDC? Tu as oublié que tu étais l'avocat de Fonike Mangue. Aujourd'hui, tu es où? Des malhonnêtes comme ça, quand ça. Voilà. Heureusement que j'ai trouvé la vidéo. Sinon, tantôt, frère, il dit, c'est ce mon ami, maman, ma mère. Online. C'est ce mon. Mais, quand ça, il est rentré pour la paix, Yama, il a l'on dit que Yama. Et la Boris, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Écoutez-le. Il est là, il est là, il est là. Écoutez encore, regardez ce malhonnête. Hein. Vous avez entendu? C'est ce malhonnête-là qu'on appelle comme ministre de la Justice. Le Dieu est là, ce n'est pas nous qui avons mis dans sa bouche. Hein. Ce n'est pas nous. Moutangama Sara Dedi. Voilà, mais. Vous avez entendu que celui qui t'a mis là, si tu n'es pas avec lui, tu es avec qui? Où est la justice? J'ai dit au peuple de Guinée, la Guinée sort, Odoro, dit bandit, dit narco de Doumbouya, Aora Yerabi Manebi. Odoro, hein? Au Moussa Setor, Charles Ouret a dit devant tout le monde, qu'il est avec Doumbouya, que s'il n'est pas avec Doumbouya, il va être avec qui? Donc, bandit n'a pas. Bandit n'a pas fallu ma bananabama. Ce que le bandit lui dit, ah, bête marade, c'est pas pour dire Damaro a inventé. Atana falare, Atana iki. Voilà. Il a tout dit. Charles Ouret, qui a mis le bandit qui est là? Là, il m'a dit, qui l'a élu? Le 5 septembre, il était à Bambeto, en train de danser. Les cellules l'ont supporté. Aujourd'hui, là, qui est avec lui aujourd'hui? Otambe Dougoulana Namegeira, vous venez, la démocratie, c'est le choix de la majorité. Omoussé Seflama Moutambe, démocratie fait. Otam bandier, quand ça vous arrange, quand ça vous arrange, des malhonnêtes comme ça. La maison du cellules était à la justice. Nafé Sigar Mindé, il t'en voulait, fallait, Charles Wright, Omoussé Seflama Moutambe. Imise Falama Moutambe. Imise Falama Moutambe, Charles Wright. Même Barafara, la Guinée, sorry. Otana Mone Sofé Mouma, dit bandit, dit narco, Rafa. Tout le monde. Les gens sont au courant du coup d'État. Narco. Des narcos comme ça, ils sont là-bas. Les Ahmed Durak. Autant, vous voyez, les États-Unis. Charles Wright, demande les États-Unis. Le nom de Ahmed Durak. Les Papa Fofana, ils sont tous recherchés ici. Les bandits sont dans le gouvernement. Omou Wayama n'a fait étendre. Les Ahmed Durak, là. Demandez-les. Vous parlez des États-Unis. Que non, il faut mettre la pression sur le prince Alpha Condé parce que vous avez peur. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Là, il m'a dit qu'il ne peut pas aller en Hollande. Là, il m'a dit là, il ne peut pas aller en Hollande. C'est un narco. Ahmed Durak, il ne peut pas venir ici. Les Papa Fofana est regroupé. Tous ces gens-là, c'est des bandits, c'est des narcos. Ils sont recherchés par les États-Unis. Vous allez nous dire quoi?
Des bandits sont au pouvoir, toi, comme ministre de la justice. Non, mais non, il y a tellement de malhonnêtes, quoi. Lui, il a oublié. Quelqu'un qui a enregistré Sidi Ndiaye. C'est ce malhonnête qui s'assoit aujourd'hui que lui, il va, que lui, il est propre que qui. Tu avais dit aux Guinéens ici que tu allais donner l'autopsie. Oui, des personnes tombées dans ces deux jours-là. Tu as donné les parents des victimes du 5 septembre. Tu as parlé de ça? Regardez-moi un malhonnête comme ça. Même Marafala, les Guinéens sont arrivés au Doron. J'ai bandit. Un d'abord, il n'a rien fait pour l'armée guinéenne. Là, il m'a dit, rien. À part de la manipulation, rien. Il n'a rien foutu. Et toi, tu es venu, tu dis que c'est à cause de... C'est pour la démocratie. Tu es incapable, les vrais partis politiques. Les vrais partis politiques aujourd'hui, tu veux les écarter. Autant dans Canada, Amérique et Fora, vous vous êtes bénis que le reste de Guinéens, des malhonnêtes comme ça. Comme la Guinée sort et Agbébé Fambara fini, je ne sais pas comment je vais les qualifier. Bonyayat Meira, quoi. Vous vous laissez manipuler par des bandits comme ça. Inato et Oema. Parce que, autant a pouvoir filmé. Onato, jusqu'à présent, Dieu dit Pagay Rabama, Borina Iki. Rien ne marche. Les bandits, ils sont là à nommer leurs amis seulement. C'est ces mots. Sigafé Yare dit Borisono. Et nous, quel est le procès Fakonde des malhonnêtes. Le courant qui est là, autant a fière. Itachalouraï. Tu es malade, le courant que tu as. Quand l'État soit petit. Un bandit qui est là, tu es là à servir un bandit, un narco. Yakolo, c'est des narcos ces gens-là. Yakolo, ces gens-là, c'est des narcos. Là, il m'a dit noir à groupe. C'est des narcos. Combien de tonnes? Combien de tonnes de cocaïne sont saisies en Guinée depuis qu'ils sont arrivés? Des bandits sont là. Mais la Guinée qui est odorant, hein? Sorry, odorant. On a réagi des odorant. Laissez le bandit faire ce qu'il a envie de faire. Kamoura Bori Sigamayari, odorant. Vous avez vu, Mouta, les réseaux sociaux, tellement que Garo, et moi, maintenant, dit Rafala, et Birin, ils ont pris des gens, des experts, et Moura Page est attaqué, dit bandier, parce que Garo, non, dit Nara Minima, Mounye tire d'or et tire mène, narco et tire mène, Chaloura et Tamise Flamme Mirebe, Imise Flamme Mirebe, après avoir dit ça là, il t'en a crédibilité dans Mindé, hein, écoutez-le. Amatoure, un fautif comme ça, une furia le Guinée, un fou Guinée. Voilà. Est-ce qu'un ministre de la justice peut parler, s'exprimer comme ça? Comme Mireille Falama, et Anou Mamadi Doumbouya Nara, Kandaranouti, Kainou Namara. Un fautif comme ça, un vulgaire. C'est-à-dire un bon à rien comme ça. Là. Un ministre de la justice doit parler comme ça? Kandaranouti, Kainou Namara. Un faux type comme toi. Mamadi Doumbouya nous n'a pas fallu. Il n'a pas Bandit Tofa. Qui l'a mandaté? Où sont les victimes du 5 septembre? Malhonnête. Il me s'est fait la maman Moutambe. Moutambe Wente Sourira. Moutambe Wente Moussourira. Pourquoi tu ne portes pas plainte? Venez, vous, tu sors pour faire du bruit. Au Mounoma, tchè rapproche Alpha Condé contre. Tchè n'a pas oube. Tchè contre le procès Alpha Condé. Là, il m'a dit Namé Namourima. Actuellement, Amourima, le gars actuellement, il ne dort plus actuellement. Amourifé, il ne dort plus parce que Procès Fakonde, ils ont peur. Non, il faut dire, oui, crime contre l'humanité. Procès était là, et mon crime de l'humanité fait falloir. Le recueillé. Procès Fakonde, nana. Le recueillé, crime contre l'humanité, le recueillé. Vous pensez qu'on aura bêtisé, non, ma Procès Fakonde, à Doundoudé. Autant mes professeurs Alpha Condé, on a fait rabat d'Ara. Autant bandit et mato. On a signé avec les dadis, les autres là. On a dit, mais qu'il m'en est petit et au soumane bé. Bien y a ori. Bandit et mato, moubebede. Narco et moutse, c'est faux drogue mati. Et rabombo est en justice. On me refaire le 5 septembre. Et namindé. Le 5 septembre, on me refaire. Et namindé. Où sont les corps? On fait avoir une justice. Nego, chaloué, le gueulard. Il t'en bavard, ma tombe. Il t'en bavard, ma tombe. Un bavard comme ça, là. Il t'en bavard, ma mamadi. Mamadi Doumbouya a sauvé de son nom. Abarak, c'est fini. Tu peux rien faire pour ce bandit, là. Tu peux rien faire pour ce bandit, là. Si c'est de la justice qui va te servir, comme on a rabafé qui. Au docteur Kassoré et Sougou. Vous allez taper poteau. Vous allez taper poteau.
ce que vous sémez là, vous allez récolter. On gagne tout. Autant de manipulation. Regardez-moi des vauriens comme ça, des vagabonds. Au Fatimé, il y a encore justice. Autant de justice que l'eau. Ou article Mundo amassé, moi. Vous partez prendre des mercenaires contre votre pays. Là, il m'a dit prendre des mercenaires contre son pays. Et vous parlez de justice, Charles Wright. Bah, foutez fait la Guinée, il m'a dit. Bah, foutez fait la Guinée, il m'a dit. Il t'en fils, il l'homme, Bali, Makolo. Regardez les corps. Regardez. Tous ces gens-là, les images-là, on ne peut pas publier. Toutes ces images-là, on ne peut pas publier. Attendez. Il y a un mercenaire, il m'a dit. Là, il m'a dit, il envoie des mercenaires dans le pays. Si la communauté internationale, ils savent parler là, ils n'ont qu'à parler de ça. S'ils savent parler, voici des mercenaires, ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à parler. C'est ça qu'on appelle la justice. Quelqu'un qui dit que celui qui t'a nommé, si tu n'es pas avec lui. Et le gars fait ce qu'il veut. Et ce vaurien de ministre de la justice est en train d'exécuter le sale boulot. Là, il m'a dit devant tout le monde, je ferai le sale boulot. Personne ne va m'en empêcher. Et il est en train de faire le sale boulot. Un gueulard comme toi, Charles Wright. Il me sait vraiment moutambe. Autogaro Mouyarato, vous payez des millions aujourd'hui pour faire taire les communicants sur les réseaux sociaux. Parce que Wa Kolomu no Massé sera mon compte. Ça c'est Oumu no Massé sera mon compte. Voilà. Vous ne pouvez rien contre nous. Vous ne pouvez rien contre nous. À part bloquer nos vidéos là, c'est tout ce que vous pouvez faire. La Guinée biri non du colon. Birakoro là il m'a dit narconara. Birakoro bandinara. Birin natan colon traite nara. Comme c'est vraiment Otambe. Otambe on a massé c'est un des rapprochés alpha qu'on est contre. Otambe Mubari a signé procès nara. On a réseau yama. Faut Otambe Mubari signé. Le fama est dedans. Il m'a tombé des plaisantins. Non, il faut tout faire parce que le professeur Alpha Condé, il devient gênant, menaçant. Il est aimé. C'est ce que Lincoln a dit aujourd'hui. Même à Cancan, là, il m'a dit, là, c'est dans sa cour. Chez lui, à Cancan, les gens l'aiment là parce qu'il les donne à manger. Mais à Cancan aujourd'hui, là, tu mets le professeur Alpha Condé. En Guinée aujourd'hui, tu mets le professeur Alpha Condé. Vous mettez votre bandit de là, il m'a dit. Les Guinéens vont choisir le professeur Alpha Condé. Voilà. Ton là, il m'a dit, là, Charles Wright, tu le mets aujourd'hui en Guinée. Et le professeur Alpha Condé. Même l'armée aujourd'hui, la majorité. Moi, je ne suis même pas pressé. Parce que je le sais déjà. Ils vont bien laver ce bandit-là, ce narco. On a tout. Nous, on n'est pas pressé. C'est vous qui pensez que vous allez endormir les gens. Voilà. C'est vous qui pensez que oui, autre chose. En tout cas, vous ne pouvez rien contre le FAMA. Ça, on vous le dit. Vous ne pouvez rien contre le FAMA. Rien absolument contre le FAMA. Rien du tout contre le FAMA. Voilà. Vous n'avez même pas honte. Étant Charles Wright, courant Yomuna. Tu penses que justice Mounanandoum. Courant Mouna Dibori. C'est grâce au professeur Fakonde. Ara voyager. Afalaïra Bandibé Arakili Asiga est contraint de fait. Afalaïra Bandibé Arakili Palais Mohamed V. Même le palais là, c'est grâce au professeur Fakonde. Grâce à lui. Le Maroc est un atime. Il me s'est fait la maman Moutambe. Grâce au professeur Fakonde, le palais Mohamed V, il a bandi Sar Denereiki. Il a bandi Anoruma Denereiki. C'est grâce au professeur Fakonde. Il me s'est fait la maman Moutambe. Au tapis, il l'a balayé. Là, il m'a dit, il était qui? Il m'a dit, Kolon Koro. Dit bandi, il pouvait ton goya son mérir. Dit bandi, affamé, dit Fara. Il me s'est fait la maman Moutambe. Il est en Charles Wright, comme ministre de la Justice, un menteur, un gueulard. Un griot de là, il m'a dit, il me s'est fait la mamoutambe. Et tambe moutanga royara. Tu n'es qu'un simple gueula. Tu n'es qu'un simple gueula. Là, il m'a dit, il n'est pas le lieu du peuple. Et on va demander à l'armée, oui, d'enlever ce bandit aujourd'hui. Morabori, 10 000 personnes, fonction publique. Vous avez recruté combien de personnes? La misère. Autant du professeur Fakonde, tout ce qui est à 10 000, ça a plus de 30 000. Autant menteur et matombe dit. Qu'au justice, justice. Le pays-là vous appartient. Tu as oublié au temps du professeur Alpha Condé. Tu défendais le FNDC. Tu soutenais le FNDC. Aujourd'hui, le FNDC est où? Malhonnête de Charles Wright. Autant M. Falama Mirebe. Autant malhonnête. Oh, M. Falama Mirebe. Je crois que j'ai une vidéo aussi de l'autre. Arrêtez souvent de manipuler les gens.
nous que le tout pas voyant voyant Kobi. Et regardez. J'ai combattu mon propre parent, un forestier, Gadis Kamara, à la tête du CNDD. Je l'ai fait ici, dans ce pays. Et tous les Guinéens sont témoins oculaires. Il n'est pas question aujourd'hui que ce parti démocratique, que ce combat pour lequel on s'est sacrifié, on s'est battu ici, humilié. Certains ont trouvé la mort au stade du 28 septembre, que des gens, des plaisantins, une oligarchie, une minorité de personnes se lèvent pour compromettre ses acquis et pour nous ramener encore aux anciennes habitudes. Il n'est pas question. Alpha Condé et ses militaires, Alpha Condé et ses valets, on vous prévient, aucune armée au monde ne peut arrêter un peuple en colère. Aucune armée. Okay. Je n'ai pas vu la révolution et l'insurrection populaire au Burkina. Okay. S'est préparé et ça s'est fait devant moi. Mm-hmm. Je veux attirer votre attention sur le fait que Blaise Compaoré avait la maîtrise sur l'armée burkinabé et il avait le contrôle de l'armée burkinabé. Ça n'a pas empêché au peuple d'aller percer l'abcès et de lui mettre dehors. Donc aujourd'hui, tout ce que vous faites, vous venez avec les gens qu'on appelle force, je ne sais pas, spéciale ou force, je ne sais quoi. On s'en fout de ça. Ça ne nous effraie pas. Voilà. Venez avec les chars de combat que vous voulez. Merci. Ça, c'est Lava. Eli Kamano, en 2020, lorsqu'il était en train d'aboyer pour chercher à manger. C'est toi qui as dit. Force spéciale. Déjà, ils ont fini d'éliminer les vrais hommes. C'est seulement des personnes qu'il a fait venir. Juste pour le protéger. Donc, toi, Eli Kamano, ça, c'était ton discours ça, à l'époque. Donc, aujourd'hui, là, le peuple dans sa majorité, là, le peuple dans sa majorité, la classe politique dans sa majorité, ils ne veulent pas de ce bandit-là. Ceux qui veulent confisquer le pouvoir. Là. On ne veut pas de narco à la tête de notre pays. On ne veut pas de tonneau vide, comme là, il m'a dit. On ne veut pas de tonneau vide, comme là, il m'a dit. On ne veut pas de tonneau vide, comme les balas à la tête. Donc, faites le jeu. Mais vous allez voir le résultat après. Parce que c'est vous les escrocs. C'est vous, à cause de l'argent. Tu as reçu combien de milliards? 1 milliard et quelques. Que tu vas aider les personnes souffrantes. Mais aujourd'hui, là, tu as donné quoi? Tu as créé quoi, Eli? Tu es en train de construire chez toi. Tu roules aujourd'hui dans des grosses voitures. Tu fais la belle vie. Tu as quelle entreprise? La musique. Tu n'as pas fait de concert pendant combien d'années? Personne ne va assister à ton concert. Mais pour soutirer là, de l'argent avec les bandits, là, tu sais le faire. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On vous a déjà dit. Ce coup d'état, là, ça va servir de leçon. Les griots, les démagogues, là, ils sont tous exposés maintenant. En Guinée, ceux qui se battent pour le peuple, c'est déjà connu. Regardez-moi des escrocs comme ça. Vous pensez que vous allez tromper le peuple de Guinée? Vous pensez que vous pouvez tromper le peuple de Guinée? Hein? C'est les hommes qui font une nation. Vous n'allez pas venir comme ça. Non, c'est Loudal, hein? On ne veut pas voir Sidia. Et vous saviez qu'aujourd'hui, le peuple accompagne ces gens-là. Toi, là, il m'a dit, tu ne respectes pas ta parole. Toi, Charles Roy, tu ne respectes pas ta parole. Vous pensez que vous allez vous servir de notre armée pour réprimer les gens, pour faire taire les gens? Moi, je vous ai dit, allons-y. L'occasion venue, le peuple va sortir. L'occasion venue, l'armée va taper. Il a fait coup d'état. Il va empêcher qui de faire le coup d'état. Il a dit à tout le monde, il n'est pas l'élu du peuple. Rien du tout. Voilà, il n'est pas l'élu du peuple. Il a fait un coup d'état. Donc, le coup d'état aussi est permis par quelqu'un d'autre. Un soldat patriote, voilà, qui va rétablir l'ordre. Ce n'est pas interdit. Lui-même, il a dit, il a fait son coup d'état parce qu'il y avait la pauvreté. Actuellement, c'est la misère sur les Guinéens. Il a fait le coup d'état que les Guinéens ne se parlaient pas. La classe politique aujourd'hui, les vrais leaders sont séquestrés par lui aujourd'hui. Lui, il va nous, vous allez nous parler de quel procès du 28 septembre? Parlez d'abord du 5 septembre. Hein? Quelle loi guinéenne qui vous a donné l'autorisation d'aller tuer des Guinéens, prendre des mercenaires, mettre le pays dans le chaos aujourd'hui, mettre 10 000 Guinéens à la retraite? Rien ne marche. Regardez-moi des bandits comme ça. Vous allez vous servir de la cause de la justice. C'est ce que les Guinéens mangent. Ils sont là cause justice, justice. Vous mettez les gens à la retraite. Chaque jour, l'insécurité dans le pays. Ah non. L'armée guinéenne, Aliémoné de Namoro. Armée guinéenne, Aliémoné de Namoro. Armée guinéenne. Al-Kalonko Doumbouya et son clan, c'est des narcos.
Aujourd'hui, au Sénégal, c'est des saisies de 500 kg de cocaïne. Au Mali, 500 kg. Au Libéria, 600 kg. Dans la sous-région, la drogue aujourd'hui, ça coule à cause de ces bandits-là. On a vu ce guignol de Charles Wright que lui, il a brûlé 3 tonnes de cocaïne en plein centre-ville. Mais il n'a même pas honte de mentir. Plein centre-ville à Anta. L'usine de Anta, non loin de la forêt, que lui, il a brûlé 3 tonnes. Et c'est fini. Ici, là, ça, on va plus. Un menteur, on peut brûler 3 tonnes de cocaïne en plein centre-ville où il y a le marché, des habitations. Personne ne s'est plaint. Ils vont ramasser des poudres de manioc et aller brûler ça. Kini Lomolunye. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes, quoi? Charles Wright, vous pensez? Vous avez vu, non? Vous savez combien de fois on a écouté? Vous savez combien de fois en Guinée les gens nous écoutent? Parce que Moutamououlé Falama. Oui, Moutamououlé Falama. On n'est pas payé. Ça sert à quoi on va venir mentir ici? Pourquoi?